Merde. On va baisser ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue. Bienvenue dans notre émission. Two Questions, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que le son est nickel. Fond vert MDR. Ah oui, le fond vert. Et oui, il y a du budget ici. Il y a du budget dans cette émission. Salut, coucou. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est excellent. J'espère que tous les candidats sont présents, que vous êtes tous activement prêts derrière votre écran, car nous allons pas tarder à y aller. Et déjà, on va checker un truc deux secondes pour... Hop. Non, ça, on va garder. Hop, voilà, give us money. Alors bon, j'essaye de... J'attends un petit peu à 5. On va changer de scène, on va y aller complètement. On va se préparer tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on va travailler les méninges. On va beaucoup bosser. Mais pas que les méninges. L'autre côté aussi débile, on va travailler parce que ça s'appelle Two Questions, c'est pour une bonne raison. Je vais baisser. Voilà, j'ai baissé le son de la musique parce qu'il est un peu trop fort dans mes oreilles. Bon, le principe de l'émission... Non, avant de parler du principe de l'émission, est-ce que tous les joueurs sont présents? J'aimerais que vous manifestez dans le chat pour voir... Si tout le monde est là, s'il n'y a pas d'oubli, présent. J'attends les autres pour être sûr que tout le monde soit là. Présente. Ezo. Il manque une personne. C'est pas bien tout ça, il y a les absentes. Personne absente. Bon, on va passer à l'autre scène, comme ça je vais un peu vous expliquer comment ça va fonctionner en fait l'émission. Alors, ah merde, c'est un peu triste ça d'avoir oublié son mot de passe au moment où on a le plus besoin. Est-ce que... Alors, merci Dante, merci. Ça va vraiment que je bosse dessus, donc oui, j'ai pas mal bossé. Et oui, pourquoi je ne reçois pas vos alertes? C'est bizarre. Comment se fait-ce? Comment se fait que je ne vois pas vos alertes? Normalement, je suis censé voir vos... Bah, je vais les activer alors. Voilà, merci Mioranus pour ton follow, bienvenue à toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci It's Gamer pour le follow. Et on a une dernière personne. Merci Azorio pour le follow. Azorio Frost Mag, Mage. Ok, très bien. Bon, je vais demander à tout. Par contre, pourquoi le chat n'est pas visible? Quelle est cette sorcellerie? Attendez, il faudrait que le chat soit visible, ce serait plus sympa, je pense. Hop. On va... Je vais actualiser le chat. Ouais, il est là. Ok. Bon, je vais envoyer à tous les participants le lien. Pour aller tout simplement sur le site, vous allez devoir répondre à deux questions avant de commencer l'émission pour vérifier que vous êtes la bonne personne. Alors, ça va se présenter sous cette forme-là, si ça veut bien fonctionner. Où es-tu? Voilà. Vous allez recevoir un lien qui va vous mener sur ce formulaire et vous allez devoir du coup répondre aux deux premières questions avec les informations que je vous ai demandées. Donc votre adresse mail et votre pseudo Discord si vous êtes sur Discord et votre prénom si vous n'êtes pas sur Discord. Et je vais tout de suite procéder à l'envoi des liens. Si jamais les liens ne marchent pas, alors vous allez recevoir tous le lien
par MP. Et j'espère qu'il va fonctionner. Alors voilà, tous les liens sont envoyés. Votre passe des boîtes mail. Eh oui, de pas les oublier, parce que sinon après, on est bloqué. C'est con, hein. Ah, qu'est-ce que c'est con. Et merci pour le photo, Katanif. Bienvenue à toi. Alors, et bah du coup, je pense que tous nos participants sont présents. C'est cool. Alors, bon, Kat, je t'ai envoyé le lien pour y accéder. Si je vais vous demander de rester sur votre comment dire, rester sur cet aperçu là, voilà, de rester là-dessus et de ne pas aller sur le suivant. Mais d'entrer évidemment votre adresse mail, votre pseudo sur Discord, le même que vous avez évidemment sur Discord. Oups. Pourquoi le bot il a bloqué? Bon, c'est, en soi, c'est pas grave, hein, parce que, en fait, je vous explique, dans les formulaires que vous avez, il n'y a ni les questions, ni les réponses. En fait, les questions et les réponses, elles vont s'afficher juste en dessous. C'est pour ça qu'il faut regarder le live, et comme ça, vous risquez pas de tricher. Et après, je peux voir aussi si vous avez fait un retour en arrière. Donc, ceux qui veulent tricher, je le verrai. Voilà. Donc, bon, bah, pour les deux, je sais très bien que vous êtes revenus en arrière. C'est pas grave. Et on va commencer. On va commencer avec tout simplement la première question. Est-ce que voilà, c'est la réponse. Alors, on va fermer ça vu qu'on n'en a plus besoin. Hop là. Voilà, vous allez tout simplement répondre à adresse mail pseudo. Vous allez cliquer sur « Suivant » et si je dis pas de bêtises, ok. Donc c'est bon, vous avez tous passé, vous êtes à la première question. Attendez, je crois que j'ai fait une connerie, j'ai oublié de lancer la musique. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas de musique en fond. Je suis un peu con, moi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah ! Voilà. Voilà qui est mieux. Par contre... On va augmenter un peu le... Voilà, alors je suis désolé, j'essaie de régler la musique. Et c'est bien ce que je pensais. Putain, c'est chiant. Alors attendez deux secondes. Les aléas du direct, mesdames et messieurs, c'est toujours comme ça. Hein. Y a des bugs, c'est des choses qui arrivent, mais... Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Pour ceux qui sont chauds, on va pas tarder. Voilà. Bon. Comme vous le savez, on va faire travailler les méninges aujourd'hui. Vous allez avoir une question, des questions. Et en fait, il va y avoir deux types de questions. Il va y avoir la première question qui va être en fait une question qui va toucher votre culture générale, votre intelligence. En fait. Et ça va être le premier type de question. Et le deuxième type de question, ça va être la stupidité d'Internet. Les choses débiles qui sont arrivées, que ce soit enfin, sur Internet et même dans IRL, dans la in real life, comme on dit in English. Et... Un t'es dit quoi? Oui, voilà. J'ai pas d'Internet. Stupidité. Oh là là. En fait, c'est quand je dis Internet, ça peut être un sujet assez large quand je parle d'Internet parce que c'est des choses qui peuvent se retrouver sur Internet. Un truc assez débile. J'ai rien de large. Nous, les hommes, on a quelque chose de large.
c'est notre cerveau. Alors, on va tout de suite passer... Alors, putain, c'est... Ok, bon. Je vais maintenant mettre le chat en icône only. Un émoticône, comme ça, vous ne spoilerez pas les questions. Ce sera plus simple pour nous. Je demande à tout le monde de revenir sur leur questionnaire, de se mettre à la Q1, la question 1. Et j'affiche tout de suite la première question. Première question. Qui a dit Jeanne au secours? Réponse A. Jean-Marie Bigard. Réponse B. Jean-Marie Le Pen. Réponse C. J'en ai marre. Et réponse D. Jean Lassalle. Je vous laisse un petit peu de temps évidemment pour répondre. Je répète la question. Qui a dit Jeanne au secours? Réponse A. Jean-Marie Bigard. Réponse B. Jean-Marie Le Pen. Réponse C. J'en ai marre. Et réponse D. Jean Lassalle. Voilà. Donc je vous laisse répondre A, B ou C. Sachez qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Voilà. Sachez que nous verrons les réponses après avoir fait toutes les questions. Comme ça, vous ne risquez pas de tricher. Je vous ai à l'œil. Bande de chenapans. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. Je vous demanderai de faire suivant sur votre questionnaire. Deuxième question. Et si vous avez le moindre problème, vous pouvez m'MP par Discord. Question numéro 2. Le caïphe est un petit. Réponse A. Fan. Réponse B. Filou. Réponse C. Fien. Ou réponse D. Fèvre. Vous avez quelques instants pour répondre à cette deuxième question. Je vais répéter la question. Le caïphe est un petit. Réponse A. Fan. Réponse B. Filou. Réponse C. Fien. Non, c'est trop drôle en émoticône. Et réponse D. Fèvre. Voilà. Et nous allons maintenant passer à la troisième question. Je vous demanderai de faire suivant dans votre questionnaire. Question 3. Au Moyen-Âge, comment appelle-t-on les villages fortifiés? Réponse A. Tour. Et nous ne parlons pas de la ville. Réponse D. Bastide. Réponse C. Château fort. Ou réponse D. Rempart. Je répète la question. Au Moyen-Âge, comment appelle-t-on les villages fortifiés? Première réponse A, tour B, Bastide, C, château fort, D, rempart. Et nous allons passer maintenant à la question 4. Oui. C'est non. Passons maintenant à la question numéro 4. Je vous demanderai de faire suivant et d'atteindre la Q4 de votre questionnaire, chers participants. Et participants. N'oublions pas, nous sommes en 2020. Et les non-binaires aussi. Voilà. Quatrième question. Comment ramasse-t-on de la papaye? Houston, on a un problème. Excusez-moi, Houston, on a un problème. Oh mon Dieu.
Ok, vous allez sauter. Attendez. Je vais vous donner la réponse à la 4. Parce que du coup, il y a un bug. je sais pas pourquoi il y a un bug. La réponse à la 4, c'est la réponse D. Voilà. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ça. Hein. Mais il y a un problème. Donc c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est le direct, mesdames et messieurs. Donc la réponse à la 4 est la réponse D. Hein. Comme ça, vous aurez tous bon à la question. Et il n'y aura pas d'embrouille sur après. Donc voilà. Donc je vous demande maintenant de passer à la question 5. Et la réponse à la question 4 était bien la réponse D. Donc je reviens en mode voilà normal. Question 4. Question 5. Hein. De combien en pourcentage la Terre est-elle composée d'eau? Réponse A. 70%. Réponse B. 60%. Réponse C. 65%. Et réponse D. 75%. Je répète la question. De combien en pourcentage la Terre est-elle composée d'eau? Réponse A. 70%. Réponse B. 60%. Réponse C, 65%. Réponse D, 75%. C'est non. Nous allons maintenant passer à la question 6. Je vous demanderai de faire suivant et d'atteindre la question Q6 à votre questionnaire en ligne. Merci de votre compréhension. Sixième question. Quel challenge TikTok n'existe pas. Réponse A. Le Skull Breaker Challenge. Alors le truc c'est que je vais sortir mon petit mémo et je vais vous dire du coup à quoi correspond le challenge. Parce que sinon je sais qu'il y en a que je vais perdre. Donc autant perdre le moins de personnes possible. Et tout de suite, pourquoi il y a deux trucs différents? Alors, c'est pas ça. Yes. Alors, le Skull Breaker Challenge, trois personnes côte à côte. Celle du milieu se fait faucher par les deux autres au moment où elle s'élance pour sauter sur place. La personne s'étale par terre, sur le dos et la tête la première. Voilà, c'est pour ça le Skull Breaker Challenge. La réponse B, le Peer Prince Challenge. Donc c'est tout simplement se pisser dessus. Voilà, c'est un challenge. Le C, c'est le Coins Challenge, donc avaler des pièces et ne pas vomir. Et ensuite, le Corona Challenge, qui est en fait lécher la cuvette des toilettes publiques et faire un petit signe comme ça pour dire « Je ne suis pas malade, mais j'ai chopé la syphilis ». Voilà, donc je répète. Quel challenge de TikTok n'existe pas? Le Skull Breaker Challenge, on fait un salto arrière, il y a deux personnes qui nous fauchent, on se casse la gueule par terre. Le B, Pure Pants Challenge, où il faut simplement se pisser dessus. Le Coins Challenge, avaler des pièces et ne pas vomir. Le Corona Challenge, lécher la cuvette des toilettes publiques et dire « Je ne suis pas malade, maintenant j'ai le cancer ». Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la question 7. Vous participez à une course et vous dépassez le deuxième. Quelle est alors votre position? Réponse A, premier. Réponse B, deuxième. Réponse C, troisième. Ou réponse D, quatrième. Je répète la question. Vous participez à une course et vous dépassez le deuxième. Quelle était alors votre position? Réponse A, premier. Réponse B, deuxième. Réponse C, troisième. Et réponse D, quatrième. Oui. Maintenant, nous allons passer à la question 8. Huitième question. Dans quelle émission une candidate a dit « Il y a deux lunes, une dans chaque pays » car quand la personne est arrivée dans ce pays précis,
Elle a vu qu'il y avait la lune quand il faisait nuit. Du coup, elle a dit « Oh, mais c'est bizarre, il y a deux lunes, une en France et une en... » Réponse A. Dans les ch'tis ? Réponse D. B. Dans les Parisiens. Réponse C. Marseille ! Ou réponse D. Les Anges. Je répète la question. En quelle émission une candidate a dit « Il y a deux lunes, une dans chaque pays ». Réponse A, les ch'tis. Réponse B, les Parisiens. Réponse C, les Marseillais et Pastis. Ou réponse D, les Anges. Voilà. Nous allons maintenant passer à la question numéro 9. Qui était le premier président de la République française? Ah là, je sais, il y en a, ils sont sûrs. Il y en a, ils sont pas bien. Ah, ils sont pas bien du tout, hein. Et vous allez me dire, cette question... C'est honteux. Mais... ça fait travailler les ménages. Qui était le premier président de la République? Réponse A, Adolphe Thiers. Réponse B, Charles de Gaulle. Réponse C, Raymond Poincaré. Ou réponse D, Louis-Napoléon Bonaparte. Je répète ta question. Qui était le premier président de la République? Réponse A, Adolphe Thiers. Réponse B, Charles de Gaulle. Réponse C, Raymond Poincaré. Ou réponse D, Louis-Napoléon Bonaparte. Avec son gros chapeau. On va passer à la question 10. C'est assez. Dit. Réponse A. La baleine. Réponse B. Le lion. Réponse C. Le singe. Réponse D. La souris. Je répète la question. C'est assez. Dit. Réponse A. La baleine. Réponse B. Le lion. Ou réponse C. Le singe. Et réponse D. La souris. Nous allons maintenant passer à la question 11. Est-ce que vous avez chaud aux fesses? Comment appelle-t-on le fruit du plaqueminier? Réponse 1, cacha. Réponse B, caco. Réponse C, kaki. Réponse D, kali. Minog. Je répète la question. Comment appelle-t-on le fruit du plaquemeunier? Réponse A, cacha. Réponse B, kakou. Réponse C, kaki. Réponse D, kaliminog. Et maintenant, nous allons passer à la question 12. Il y a 10 prunes. Vous en prenez 4. Combien en avez-vous? Réponse A. 0. Réponse B. 4. Réponse C. 6. Réponse D. 10. Je répète la question. Il y a 10 prunes. Vous en avez 4. Combien en avez-vous? Réponse A, 0. Réponse B, 4. Réponse C, 6. Ou alors la réponse D, 10. Nous allons maintenant passer à la 13e question. Suspense est à son. Incroyable. Il est dans le livre des records, ce type à 5 pénis. J'en connais une qui va être contente. Il doit faire des heureuses. Réponse A. B. Son slip lui va comme un gant. C. Bof, moi, un, ça me suffit. D.
Il n'y a pas de question. Je répète la question. Incroyable, il est dans le livre des records. Ce type a 5 pénis. A, il doit faire des heureuses. B, son slip il va comme un gant. C, bof, moi hein, ça me suffit. D, il n'y a pas de question. Voilà. Nous allons maintenant passer à la question 14. Combien de temps a duré la durée? D'une durée pour la durée de la guerre de 100 ans. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Réponse A. 55 ans. Réponse B. 100 ans. Réponse C. 120 ans. Réponse D. 116 ans. Je répète la question. La guerre de 100 ans. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Réponse A. 55 ans. Réponse B. 100 ans. Réponse C. 120 ans. Ou réponse D. 116 ans. C'est ma bite. Nous allons maintenant passer à la 15e question. À combien de questions avez-vous répondu? Réponse A, 10. Réponse B, 14. Réponse C, 15. Ou réponse D, 9, 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 9. Je répète la question. À combien de questions avez-vous répondu? Réponse A, 10. Réponse B, 14. Réponse C, 15. Et réponse D, 999 trilliards, 999 milliards, 999 millions, 999 1999. Oui, je me suis cassé le cul à trouver, comme on disait. Voilà. On a fini de répondre à toutes ces incroyables questions. J'espère que vous avez bien répondu. Je vous conseille de vous envoyer par mail les réponses aux questions, car nous allons maintenant voir ensemble toutes les réponses des questions pour voir si vous aviez bon. Je vais vous demander de cliquer sur « Envoyer une copie à votre adresse mail que vous avez donnée pour pouvoir recevoir toutes les réponses que vous avez données à toutes les questions. » Et comme ça, nous allons voir ensemble. Enfin, d'abord, je vais regarder. Je vais regarder. Ah, il y a eu beaucoup d'erreurs sur la question 5. Hein. Personne n'a trouvé. Bon, non, je rigole. Bon, on va tout de suite maintenant regarder ensemble. Attendez, on va revenir à la première question. La première question qui était... Qui a dit Jeanne au secours. Donc, Jean-Marie Bigard. Ce n'était pas ça, car Jean-Marie Bigard est tout simplement un humoriste. Alors que celui qui a dit ça, c'était évidemment Jean-Marie Le Pen. Jeanne, au secours ! Voilà. Jean-Marie Le Pen qui a dit ça en 2015, devant la caméra du 20h sur France 2. Ensuite, ce n'était pas j'en ai marre parce que cette personne n'existe tout simplement pas. La réponse D, c'était Jean Lassalle. Et Jean Lassalle, c'est... Bah, c'est un politique. Ensuite. La deuxième question. Le caïf est un petit... Fien. Parce qu'en fait, c'était le caniche, pas le caïf. Caniche, caïf,
Fien. Chien. Vous avez... T'as compris? Est-ce que t'as compris? Parce que... Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Voilà. Ensuite, on passe à la troisième question. Non, Caïf. C'est drôle. Au Moyen-Âge, comment appelle-t-on les villages fortifiés? Attends, vous... Ok. Comment appelle-t-on les villages fortifiés au Moyen-Âge? Eh bien, en fait, la réponse était château fort. La tour, c'est la tour d'un château. La bastide, c'est un type de ville qui est créé au Moyen-Âge, en fait. Ça permet, en fait, de construire un nouveau foyer de population. C'est autre chose. Et les remparts, bah, c'est ce qui fortifie. C'est ce qui fortifie le village, en fait, du château fort. La question 4. Bon, c'était le bordel, parce que normalement, c'est comment on ramasse-t-on la papaye? C'était réponse A avec une fofo, réponse B avec une féfelle, réponse C avec une fofolle, ou réponse D avec une foufourche. Bah, ben, on ramasse la paille avec de la fourche. La papaye, paille, foufourche, fourche. Voilà. Vous voyez, c'est ça, toutes les deux questions, vous avez un truc complètement débile, et des fois, vous avez des trucs intelligents. Là, c'était de combien en pourcentage, pour la question 5, la Terre est-elle composée d'eau? Et bah, elle est composée à 70% d'eau. 65. Pour ceux qui ont répondu 60 ou 75, c'est pas du tout ça. Et pour ce qui est de 65%, et bah, en fait, c'est le corps humain qui est composé à 65% d'eau. Voilà. La petite info de Michel Simès, en tout cas, que j'ai trouvé sur Internet pour les 65% d'eau. Ensuite, question 6. Ah non, 71%. Non. C'est 70% la Terre, mon coco. Ça a réduit depuis, avec le réchauffement climatique. Ah là là, et comme il a dit Trump, ça va se réchauffer. Question 6. Quel challenge TikTok n'existe pas? Eh bien, c'était le Coins Challenge. Je regarde sur Wikipédia. Bah, c'est 70%. Moi, j'ai trouvé, j'ai cherché, et majoritairement, le truc que j'ai trouvé, c'était 70%. Donc, désolé, pas désolé, hein. Mais je suis allé voir sur plusieurs trucs, pas que sur Wikipédia. Pas très fan de Wikipédia. Quel était le challenge TikTok qui n'existait pas? Du coup, c'était le Coins Challenge. Genre, Skullbreaker Challenge, ça existe, hein, le truc où tu te fracasses la tête par terre. Le Pee or Punch Challenge, où tu te pisses dessus, ça existe aussi. Et le Corona Challenge, où tu lèches la cuvette des toilettes et après tu dis « Yes, j'ai pas le Corona », ça existe aussi. Mais le Coins Challenge, avaler des pièces de monnaie sans vomir, ça n'existe pas. Et n'empêche, j'ai galéré à trouver un challenge qui n'existe pas. Mais du coup, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien en soi. On passe à la septième question. Vous participez à une course et vous dépassez le deuxième. Quelle est alors votre position? Bah, vous dépassez le deuxième, donc vous prenez sa place. Vu que vous doublez le deuxième, vous ne doublez pas le premier. Parce que le premier est toujours devant. Hein. Il est devant le deuxième. Donc quand vous doublez le deuxième, vous êtes deuxième. Et évidemment, vous n'êtes pas troisième ou quatrième parce que vous n'allez pas rétrograder. Donc, voilà. Et ça, Azorio, c'était sur Wikipédia? J'arrête. Bon, allez, on passe à la huitième question parce qu'après, il y a Koh-Lanta. Dans quelle émission une candidate a dit « Il y a deux lunes » ? Eh bien, c'était dans les Marseillais. Évidemment, on s'en doute bien, c'était une meuf avec des gros seins et un petit cerveau qui a dit ça. Elle est arrivée, elle a dit « Oh, c'est bizarre, il y a une lune ici aussi, c'est-à-dire qu'il y a une lune, il y a une lune à Paris, et, enfin une lune en France et une lune en Grèce. » Et voilà, putain, les gens sont vraiment cons, cette émission de merde. On passe à la question 9. Qui était le premier président de la République? Alors, Adolphe Thiers était président de la République du 31 août 1871. C'était pas lui. Charles de Gaulle, non plus. Il a été président provisoire de 1944 à 46. Ensuite, a été président de la République de 59 à 69. Très bonne année 69. Et ensuite, Raymond Poincaré, président de la République du 1913 à 1920. Et enfin, et la bonne réponse était Louis-Napoléon Bonaparte. 69, Patrick, t'as vu. Napoléon Bonaparte qui a été le premier président de la République de décembre 1848
pour 4 ans. Voilà. Incroyable. On apprend des choses dans ce stream. Ok, maintenant on va passer à la 10e question. C'est assez dit. Et la bonne réponse était la baleine, parce que la baleine est un cétacé. Est un mammifère aquatique. C'est la définition de cétacé. C-E-T-A-C-E-S. Un cétacé. Mammifère aquatique. Voilà. C'était pas le lion, le singe ou la souris, c'était la baleine. Ensuite, on passe à la 11e question. Donc, comment appelle-t-on le fruit du plaqueux meunier ? C'est pas katcha, parce que katcha, c'est une bouillie russe à base de sarrasin et cuit à l'eau, au lait ou au gras. Ensuite, le B, bah, c'est pas kaku, parce que Eli Kaku, c'est le comique et acteur franco-tunisien. Voilà, Eli Kaku, vous devez connaître, hein, parce qu'il est incroyable. Katcha Game MDR. Ah, je connais pas. Et en fait, c'était le kaki, qui est appelé aussi le plaque-meunier du Japon, le plaque-meunier de Chine, ou alors anciennement la figue kak. Et Kali, bah, c'était dans Kali, c'est dans l'hindouisme la déesse de la préservation et de la transformation et de la destruction. Voilà. Voilà, le kaki, c'est génial, c'est super. Voilà. On passe à la 12e question. Vous avez 10 prunes. Pourquoi elle s'affiche pas cette connasse ? Vous avez 10 prunes, vous en prenez 4. Combien en avez-vous ? Bah, vous en avez 4, vu que vous en prenez 4. Il y a 10 prunes, vous en prenez 4, vous en avez combien ? Vous en avez 4. Voilà. Je parle pas de toi 4, je parle de 4. Voilà. Donc on en a 4. Et c'est pas 0, c'est pas 6, c'est pas 10, c'est 4. Voilà. Donc assez simple hein, comme question. La 13e question, incroyable, il est dans le livre des records. Ce type a 5 pénis. Et il fait pas d'heureuse. Son slip il va pas comme un gant. Bof, hein, moi ça me suffit. Non, c'est en fait que y a pas de question. N'oubliez pas, c'est two questions. Il y a pas de question dans l'énoncé. Donc il n'y a pas de question. La réponse était il n'y a pas de question. Vu que depuis tout à l'heure on a que des questions. Et bien là, on n'en a pas. Donc la bonne réponse était la D, il n'y a pas de questions. Ah, c'était piège un peu, ouais, je sais, c'est piège. J'aime bien mettre des pièges. 14. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans ? Je suis sûr que vous avez tous mis 100 ans. Et c'est faux. C'est pas 100 ans. La guerre de 100 ans, elle a duré 116 ans. Elle a pas vraiment duré 116 ans. Elle a duré 116 ans, 4 mois et 15 jours. En fait, elle a duré du 24 mai 1337 au 9 octobre 1453. Même moi, quand j'étais là en mode, ah, c'était en 1300 ? Ah, moi, j'ai cru que c'était en 1700, 1800. Non, c'était en 1337 et 1453. Donc, c'est pas mal. C'était 116. Bravo, Dante. Et évidemment, on passe à la dernière question. Quittez avec à combien de questions avez-vous répondu ? Et bah, évidemment, c'était. Ce qui était drôle, c'est que là, il n'y avait pas de Q15 pour avoir la réponse. Du coup, il fallait juste écouter ce que je disais. On passe à la 15e question. Combien de questions avez-vous répondu ? Et là, chiffre bizarre. Et bah, c'était 15, quoi. Mais il y a une question. C'était pas une question. De quoi parles-tu, Miyu ? Je suis perdu. Bah si ! Le principe de l'émission, c'est que t'as une question. Là, il n'y a pas de question. Donc, la réponse à la non-question, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Avec le pénis. Le truc des bites. C'est bizarre, pénis, il le banne, le bot. C'est bizarre. Mais non, mais ça s'appelle two questions, et là, il n'y a pas de question. En vrai, c'est ce mec a 5 pénis, il doit faire des heureuses. C'est que des affirmations à chaque fois, il n'y a pas de question, en fait. Et du coup, bah, la pression, c'était pas... Non, il y a trop de 9 Dante, là, tu te trompes. C'est normal, mais du coup, c'est la réponse 15. Maintenant, vu que j'ai eu... je vais regarder tout simplement qui... J'ai procédé au dépouillement. Et regardez, toi-même, tu sais, ce soir, c'est Koh-Lanta. Et regardez qui a... gagné. Et
La personne qui a gagné ce soir, c'est... Ah, c'est qui déjà ? La personne qui a gagné cette émission en ayant 65 points, car chaque question valait 5 points. Et du coup, la personne qui a réussi à avoir le plus de bonnes réponses, c'est... Je vous donne dans le mille... Et c'est Miyu ! Félicitations Miyu ! Tu as gagné ! Tu es la première ! Excellent, bravo à toi ! J'espère que tu as kiffé cette émission ! Et tu vas gagner ! Rien du tout. Parce qu'il n'y a rien à gagner ce soir. Parce qu'on joue pour... la beauté du jeu. Parce qu'on joue tout simplement pour... parce qu'on aime les choses, tu vois. Parce qu'on veut faire les choses. Parce qu'on aime participer, jouer, répondre à des questions et tout. C'est honteux ! Non, j'ai pas dit ça. Mais, voilà. C'est... c'est ça, quoi. Donc, je vous souhaite une excellente soirée devant Koh-Lanta, parce que ça a commencé il y a un petit moment. Et on se retrouve sûrement très bientôt. N'hésitez pas, en tout cas... à aller sur ma chaîne Twitch, car moi aussi je stream, et c'était le dernier stream sur la famille de ma part, car je vais quitter le staff, je resterai sur le Discord, mais malheureusement j'ai tellement de trucs à faire que j'ai plus le temps de m'occuper de l'animation. Donc c'était Théo une dernière fois sur le stream la famille en tant qu'animation, en tant que streamer, en tant que caster. C'était un plaisir d'avoir discuté, joué avec vous. On se retrouve très bientôt, peut-être sur mon Twitch, si vous venez lâcher un petit follow. Et je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bon Koh-Lanta, et on se dit à plus, des bisous.